Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir, comme il retrouve les autres en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, pour se causer la réunion, ce journal en créole, Pouzotte. Nous l'est aujourd'hui déjà le 1er mars, l'année, il défile quand même. Et puis, mi salut toutes les abonnés, comme d'habitude, hein, avec nous sur YouTube, sur les pages officielles de TD Créole. Bah, bien invite à Zot d'abonner à Zot, hein, et puis de laisser d'autres commentaires, si tu veux m'y répondre à Zot. Hein, surtout sur YouTube, on a quand même pas mal de commentaires, m'y dit souvent, m'y répondre. C'est vrai que des fois, il prend un petit peu le temps, mais ils répondent quand même aux commentaires. Merci à Zot. Hein, et puis, l'actualité, l'actualité, c'est la réunion qui est comme ça. Hein, n'oubliez pas de changer autrement. M'y aimerait bien dans la zone des choses vraiment extraordinaires tout le temps, mais malheureusement, dans ce pays-là, on a toujours des magouilles, on a toujours des affaires, mais pas bon du tout. Donc, que ça, tu veux faire, la pointe d'autre choix de dans la zone, tout ça. Alors, aujourd'hui, nous les, comme m'a dit Zot, le 1er mars, et le 1er mars, ben, comme tous les premiers du mois, nous n'est là les augmentations. Les baisses des produits pétroliers comme par exemple le super qui augmente et le gasoil qui baisse de 4 centimes comme il dit souvent c'est des baisses juste pour boucher les yeux de moule, hein, donc voilà. Et comme on avait dit aussi et comme dans les commentaires, pas mal de commentaires, il dit ces histoires d'augmentation là, les là pour faire acheter de moule des voitures électriques, hein, donc parce que bon bah, si il augmente l'essence, bah, à un certain moment là va dire bon bah, vous nous passe à nous acheter une voiture électrique, hein. Et encore une fois, les pareils intérêts, quand tu achètes une voiture électrique, hein, on a beaucoup de gens qui disent, mal acheté, c'est mon loto. À moins que la paye a du comptant de poche, ou tire 50 000 euros, ou la donne la société là-bas directement. Sinon, c'est des crédits longue durée. C'est-à-dire que, ou fait le crédit, mais le loto, t'as pas où, hein. Donc, le loto appartient à la société tant qu'on peut pas finir payer. Donc, là aussi. Et, par exemple, on fait des crédits sur 5 ans. Au bout de 5 ans, ben, faut rachète la voiture. Sauf si ou ajoute, moins 10 000 euros, 15 000 euros, mettre dessus, et puis achète la voiture. C'est là que les yaourts, hein, il veut dire au bout de 10 ans, les yaourts. Et tout en sachant que les voitures électriques, comme les voitures diesel ou essence thermique, donc la situation, les affaires, c'est qu'arrivé à un certain moment, bah, ils cassent. Donc, quand on a fini les réparations, quand les affaires, la finie va arriver 5 ans, on a toutes les pièces échappant en bout. Donc, là, on est obligé d'aller à la maison pour les acheter. Tant qu'on a la garantie, constructeur, garantie que Banaï arrange ces bonnes pièces-là, les fait pour, hein. Donc, de façon que tant que le crédit longue durée est là, ça va. Mais quand le crédit l'a fini, ou l'a fini à chez le taux au mètre de notre main, et là maintenant on continue, là où on recommence à payer pour que l'État ou pour de vrai, et mais c'est à ce moment-là qu'on voit, ben, Manda Copatel y arrive, hein. Donc c'est là où comment on voit, ben, une pièce, il porte, la porte, il rouvre plus, les vitres, ils descendent plus, on est dans le voyant moteur, il allume, on a toutes sortes de qualités d'affaires, il arrive avec ça. Là aussi, voilà, quand on voit ben gros loto, ben belle loto neuve, ben qui coûte 80 000, 100 000 euros sur la route là, mais ça c'est pas la voiture du bouc que les dents, ça c'est la voiture de la société de crédit que la loyale, qui donne à lui, qui fait un crédit longue durée. Après peut-être par la suite, quand on voit le voiture fini casse un peu, fini fatigué un peu, la voiture ou bon, ça c'est loto le bouc, ça. Il a fini acheter son crédit. Et encore aussi, il faudrait dire aussi, arrive à un certain moment, ben lui le loto quand arrive 5 ans, il dit à lui, soit il change, soit il reste là dans l'y acheter. Donc autant mieux changer, parce que vous connaissez que si vous change pas, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite pour les réparations. Ça y appelle là-haut du crédit à vie, hein. Donc c'est un peu comme les banques de maisons de crédit proposent à vous de rachat de crédit, ou sinon ça, ils proposent à vous de faire des petits crédits de 2000 euros avec un taux de 15% à peu près. Et donc là-haut, quand vous les prenez dedans, arrive pour ressortir, tracaille Maya, ou hein, toujours en train de payer. Allez, nous ferme la parenthèse là-dessus pour aller à autre chose là, avec la SOGEDIS, donc des peines plus lourdes qu'elle a été requis en appel contre l'ancien directeur et sa compagne, et aussi un avocat de Paris qui était avec Zot. La décision de la première instance des trois protagonistes dans l'affaire de la SOGEDIS, que l'avait fait appel, la partie civile, est prévenue, l'a fait valoir Zot argument respectif à la barre du prétoire de la rue Juliette Dodu, en direct ou par l'intermédiaire d'un avocat, donc à l'instar de Philippe Assia Vadam Poulet et Maître Quinton, que n'avait pas fait le déplacement pour répondre aux questions des magistrats. Voilà, donc la SOGEDIS avec des peines plus lourdes contre le directeur et sa compagne et l'avocat. Donc voilà, en novembre 2021, Philippe Assia Vadam Poulet
qu'il était condamné à 12 mois de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans et l'indemnisation de la Sogedis à hauteur de 55 000 euros à peu près, hein, 55-56 000 euros au titre de préjudice matériel. Sa compagne Émilie, elle a été poursuivie de recel de biens et l'avait écopé à elle 8 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Il fait déjà un petit paquet quand même. Alors les deux bougles, les deux personnes là, donc elle a été condamnée à verser 1 euro symbolique à l'association Anticor. Anticor voulait avoir beaucoup plus, bon, d'ailleurs 1 euro symbolique, ainsi qu'au dédommagement solidaire de la SEM à hauteur de 174 213 euros au titre de préjudice matériel. Toutes ces personnes-là avaient fait appel au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Donc voilà un peu. Ben, quand on finit bébément, on finit voler, on finit casser, on finit prendre tout le machin, on fait appel, on fait pas appel, on fait bébément, d'accord, pas tellement, on essaye, on va achever de retarder un peu les échéances de prison ou les échéances de payer, mais quoi qu'il en soit, il faut bien qu'on paye. Et c'est là, il intervient, si vous gagnez pas payé, ou là, pas l'argent sur le compte, ben, il saisit ou de bien, il saisit tous les machins, à moins que vous le mettez une clause. Que ben, on va casser très facilement et pour bien récupérer, voilà un petit peu. Ben, nous l'avons remarqué aussi, hein, ben, maintenant, dans la presse, vous l'avez vu, pour les incidents de Moulagé, coup de selvé, le coup de couteau, maintenant, comment là, nous parlons un peu de ça, mais quand il arrive pour des gros sommes, comment, c'est toujours les gros moineaux, toutes les ben, ils appellent ça la racaille, hein, ben, ils aiment voler, en pensant qu'ils attrapent pas autres. Quand on est dans le bureau là-bas, ben, il y a 6 ans, les 6 autres trônes là-bas, mais après, quand ils détrônent, les autres, fait pitié, ouais. Donc il dit c'est pas ça, c'est lui, c'est l'autre côté là-bas, voilà. Allez, nous les partis pour une autre affaire encore du côté de trafic de stupéfiants entre Dubaï et La Réunion. La cocaïne, il pourrait venir de la Guyane. Mais quand même, c'est loin la Guyane, hein, pour passer de la Guyane, pour arriver ici à La Réunion, elle vient passer par un endroit, bien sûr. Hein. Soit passer par l'Afrique, de l'autre côté là-bas, là, atterrir à Dubaï, après venir ici, ou sinon ça passe par la France, à venir. Hein. Donc avec toutes les mesures de sécurité que maintenant ils mettent en place, il y a quand même la drogue qui sort de très loin, qui arrive ici à La Réunion. Pourtant c'est une petite île perdue dans l'océan Indien. C'est un département, c'est un département français, mais département pour le nom. Donc voilà, c'est un petit bout de la terre dans le tiers-monde que dans l'océan Indien, géré par la France. Voilà. Un des individus impliqués dans le trafic de stupéfiants au cours du démantèlement l'a comparu mardi matin suite à l'appel du parquet de Saint-Denis. Il conteste son placement sous contrôle judiciaire. L'audience l'a permis de savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ces affaires-là, les ramifications qui pourraient surprendre, hein, le trafic de stupéfiants Dubaï-Réunion. Voilà, donc le 7 février dernier, c'est les gendarmes qui l'avaient fait un coup de filet en interpellant dans le département 9 personnes soupçonnées de participer de près ou de loin à ce trafic de cocaïne, des arrestations que l'a fait suite à un signalement qui a été fait par des personnes, donc les agents de service de renseignement. La Français chargé entre autres de la lutte contre le blanchiment d'argent a été alerté par tout ça. Et pourquoi ça a été alerté? Parce que quand le monde est dans un train de vie supérieur à ce que tu gagnes, ben les impôts, le service de la DST avant, non, c'est là changé, c'est une autre affaire encore, le service de renseignement. Donc ben là, il garde bien comment on vit. Mais si demain ou gagne RSA, ou roule un BMW ou un Mercedes ou un Porsche. N'a anguille sous roche, donc comment s'acheter ça? Si on a bien acheté ça, il y a un problème, à moins qu'on a gagné un héritage, mais si on a pas tout ça, ben n'a anguille sous roche, comme il dit. Et donc le train-train de la vie de tous les de ces personnes-là, la manière que vous êtes vie, ben la mettre la puce à l'oreille à ces bonnes veiller la coque là, comme il dit, ben boug, ils travaillent aux impôts là-bas, ils attendent ça même. Hein, si on est là, dire, il faut que l'argent rentre dans la caisse de l'État pour payer les fonctionnaires et payer aussi les gens émisés, hein, gagnent une petite monnaie, gagnent 200, 300, 500 euros, et alors, ça dit gagne 15 000 euros plus 35% de la vie chère. Donc voilà encore. 5 d'entre eux l'ont été présentés au parquet de Saint-Denis, 3 hommes et 2 femmes. D'après les premiers éléments de l'enquête préliminaire qui a été ouverte, il y en a 2 ans, Karim B serait à la tête, un des têtes de réseau qui prendrait les sources, sa source à la Guyane. Hein. Donc la blocaliste, on va voir quelle source il prend encore en Guyane, il va prendre la source là-bas.
là-bas à Suez. Bon. Allez, donc voilà pour ce machin. Et t'es sur de la Guyane, t'es bien en métropole en France, donc de la destination des consommateurs réunionnais. Et donc l'argent de ce trafic-là aurait été blanchi par des sociétés de location et de vente de l'auto d'occasion de grandes marques. Donc l'arrivée de ce loto-là en provenance de la France aurait pu être facilitée par ces cols blancs mouillés dans cette affaire en tant que consommateur. Et col blanc, il y a quelqu'un sur Internet, sur YouTube, il dit, moi, faut pas dire van col blanc, faut dire van racaille. Bon, après, il demande à moi, où la peur dire van racaille? Moi, pas peur dire van racaille, c'est de la racaille. Comme ça, vous avez dit, si c'est de la racaille. Voilà. Faut ça, c'est pour répondre à un commentaire sur YouTube de l'autre côté là-bas, qui suivent à nous, qui suivent le causé La Réunion. Merci encore aux autres, hein, du côté de YouTube, hein. Il dit aussi, c'est ainsi qu'il rentre en scène l'ex-compagne de Karim B, comme l'actuelle, comme cette personne-là, c'est une influenceuse, donc, bien connue dans le paysage télévisuel de l'île. Il dit pas le nom souvent, il dit Karine, voilà. Donc pour ces deux séjours à Dubaï affichés sur les réseaux sociaux, bah, allez rôder, nous on va bien voir. Ou sinon ça, allez participer quand on a fait les auditions là-bas, dans le tribunal là-bas, non. Je peux aller regarder, après on va bien voir qui ça y est, hein. De toute façon, l'interdit donne le nom de famille là-dessus en règle générale. Donc, à moins que c'est quelqu'un de vraiment très très important, comme le président de la République, tout le monde connaît. Allez, donc là, la première machin, ou sinon ça, un ministre ou un député. Bon, sinon ça, mains affaires comme ça, c'est un peu compliqué. Vous risquez d'avoir des problèmes par la suite par les gens à qui ils volent les affaires, vous avez fait des trains. Hein. Donc, tous les deux n'auraient accepté d'être la tête de réseau de ces fameuses entreprises de location de véhicules, de voitures, là, les destinées à blanchir le produit à la vente, voilà, la vente de stupéfiants. Hein. Donc, ben là, ils défendent les autres quand même, hein, les deux jeunes femmes qui l'ont indiqué que les autres, ils ne savaient pas ce que ça, ils se tramaient, que ça, ils se passaient, voilà, donc, là-dedans, hein, en sous-marin, des autres activités, donc, on m'a dit pas moi que vous gagnez l'argent, vous vendez des affaires comme ça, ou pas, vous gagnez pas, vous connaissez pas, que ça arrivait, donc, après, du coup, la police a dit, ah bon, vous connaissez pas, alors, ok, bon, je vous connais pas, la poids, quand même, donc, vous allez être passé sous contrôle judiciaire au même titre qu'à mode A, on avait parlé déjà, si vous regardez un petit peu le journal d'avant, vous en avez le temps, hein, donc, nous parler un peu plus de ça, on a deux semaines de ça, on m'avait parlé, hein, donc, c'est pas, à trop persister là-dessus, hein, c'est pas un journal rien qu'avec ça même, hein, donc, les pas, machin, donc, on a aussi à mode A, comment, je sais pas quoi, donc, elle a été pour toi. Il est né en 1993, les mécaniciens de son état ici, il a pris dans le don aussi un peu. Hein. Voilà un petit peu, après il dit, oh, La Réunion, c'est une affaire que les très simples, à point trop grand chose. La Réunion, c'est aussi une grosse plaque tournante où ça, il y a de la drogue qui tourne, il y a tout ça, tous ces magouilles-là, hein, les magouilles. Après, c'est pas forcément des gens d'ici, de La Réunion, qui fait ça, c'est peut-être aussi des gens de l'autre côté là-bas qui arrivent, qui veulent faire notre business aussi, hein. Donc, voilà. Nous, on est parti du côté de la chaloupe Saint-Leu. Alors, la chaloupe Saint-Leu, c'est une affaire un peu cocasse encore, cette histoire-là. C'est que, c'est des gens qui savent faire l'essence et retrouvent autres à voler des petits cochons. Donc, un groupe de jeunes en camping, ben, l'a rendu autres dans une ferme, à plusieurs reprises, dans la même journée, pour aller voler du matériel agricole et des plusieurs petits cochons, là, des petits porcelets, que l'a pas survécu, hein, du tout. Si la vient net, là, ou la pointe le soin, ben, là, elle est morte. Le jugé au tribunal de Saint-Pierre, autres l'a presque tout été condamné à un an de prison avec ceux-ci. Et donc la chaloupe Saint-Leu, ben voilà, donc comme il dit Azote, hein, des sérieux sûrement, hein, c'était le 18 février dernier, hein, un groupe de jeunes, hein, principalement originaires du port, a décidé de faire l'essence aux alentours de midi, sans réellement pouvoir expliquer comment ni pourquoi. Je la retrouve Azote dans l'exploitation agricole, où ça se vole un souffleur, se vole quelques petits cochons là, et puis tout juste, ben les cochons, on est tout juste nés, donc Azote ça va ensuite dans une autre ferme, Zati vole encore un groupe électrogène, ben, à la fois pour les voler, hein. Après avoir déposé les objets volés, c'est la grand-mère, un d'entre les deux, bon, il descend à rejoindre son camarade sur le littoral, et il explique que Zati forfait, Zati décide de monter encore une fois, pas fini, vole le moulin, ça va voler encore, en fin d'après-midi, dans la première ferme, ben, il va le repartir, et cette fois-ci, Zati vole des débroussailleuses, 6 circulaires, tout ça là, un coupe-carreau, un échographe, et aussi un ordinateur, une imprimante, et d'autres cochons encore, des petits cochons. Tu sais, mais là, c'est sérieux, ce voilà, donc, Zati, ça va revendre votre butin dans un magasin d'objets d'occasion à Saint-Pierre pour la somme de 200 euros.
Alors, entre-temps, les agriculteurs en azote comptent que ça a été cambriolé et perturbé, la famille a décidé de retourner vers la pencherie aux alentours de 22h et retrouve azote nez à nez avec les 7 cambrioleurs revenus pour la 3e fois. Il dit, oh, les affaires reviennent toujours sur le lieu du crime, mais là, ça renie. Alors, les derniers va peut-être un chou de galet sur le loto des bons agriculteurs dans laquelle où ça avait 3 petits marmailles. Et puis, mes agriculteurs là, où ça va visiter toutes les affaires, même 3 marmailles. Écoute, 3 petits marmailles. Écoute, vous connaissez pas Koussanina l'a battu la nuit. Bon, là, voilà un peu. Donc, les bonnes voleurs la barrer après, mais la laisse, cette victime terrorisée. Et dans cette suite, je la laisse haine des cagnards là sur place, hein. Et puis, je la retourne chercher aux alentours de midi. En reprenant encore bonne volée au cochon. Comment il fait, le bonne jeune là? Ben, ça s'appelle la zone bonne volée au cochon, ben, le petit cochon tendre là. Bon, après, dire aussi, les cochons, parce qu'elle n'a pas survécu, elle est morte, les petits cochons. Donc, ils ont remboursé. Dans une enquête, les agriculteurs, bien sûr, l'a relevé la plaque d'immatriculation. Ou ça volait, ou met tout le taux, écoute le taux, plaque d'immatriculation. Donc, les enquêtes vont rapidement pouvoir mettre un visage, grâce à cette vidéosurveillance d'une station de service, tout ça, maintenant, elle est arrêtée. Apparemment, c'est une histoire de magouille aussi. Il y en a un autre bouc là-bas, Saint-Denis, là-bas, la partie déclarée le même jour, que la pièce sur la vol sur le, sur banal, la vol sur l'auto. Donc, et les bannes jeunes là, profiter pour mettre la faute dessus, le loto volé. Donc, en gros, chacun y rejette un petit peu l'affaire eux-mêmes. Et, maintenant, passer directement au tribunal de l'autre côté là-bas, hein. Il dit, c'est pas un dossier anodin, il dit, le vol, de vol avec d'opportunité. Donc il revient 4 fois sur les affaires, hein. Donc elle est sérieuse au moins. Ou elle fait une vol une fois, normalement un vrai voleur, si elle vole une fois là, elle y vient, et puis deuxième fois t'es là, il se trapaille dans le même journée surtout. Bon, mais banal la partie. Bon, voilà un peu. Allez, nous les parties de l'autre côté là, du côté de Saint-Denis, avec à Saint-Denis, avec coup de couteau et coup de selle de vélo et case de justice pour les auteurs. On avait parlé ça d'hier, hein. Samedi dernier, en plein après-midi, une risque dont l'origine n'est pas encore connue, elle a fait 2 blessés graves au centre-ville du chef-lieu. Donc le tueur supposé de plusieurs coups de couteau, il a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il a lui-même été agressé par un autre individu qui devrait être jugé bientôt, hein. Donc la bagarre de Saint-Denis, coup de couteau contre celle de vélo. Elle a fait 2 blessés graves quand même, hein. Samedi, m'y rappelle Azote. Alors sur le boulevard Lancastel, tout d'abord avec un jeune majeur qui a donné plusieurs coups de couteau à son rival, sans motif, sans que le motif de autres affaires les connu. Suite à l'agression-là, l'auteur supposé l'a pris la fuite en direction de la rue Maréchal Leclerc. Avec dans son sillage, il y avait d'autres individus de la même bande, donc la poursuivre à lui, l'a pris directement. Elle a pris partie directement. Le groupe de jeunes gens, la tête en chaîne, la chaîne Belzali, elle était énervée. En gros, comment là se passait un petit peu. Et du coup, les deux comiques là-bas, ils retrouvent Azote un peu l'hôpital là-bas, et ils retrouvent à juger pour coups et blessures. Il dit, comme ça, il faut pas faire la loi par eux-mêmes, et elle a voulu faire la loi par eux-mêmes, et dans le cadre de l'ouverture d'information judiciaire, elle est placée en détention provisoire, et puis, je vais pouvoir, parler pour que ça l'a fait ça. Donc, des faits de violence qui ont été dénoncés par la maire de Saint-Denis au cours du week-end dernier. Bon, la maire dit, il dénonce tellement de violence, madame la maire, vous dénoncez tout le temps, bien sûr, journal, là-bas, vous dénoncez tous les lundis matin, vous dénoncez la violence. On est là des casses dans les voitures, on est là des accidents, machin. Mais attends, plus trop non plus, c'est qui? C'est la maire de la possession, là, Vanessa Miranville. Tout le temps, face à la route, la nouvelle route littorale, parler de pas mal de choses, hein, mais là, elle n'a pas entendu du tout, avec des dernières affaires se passer aussi dans la commune, n'a pas entendu parler par rapport à la réunion, là, mal se passer, la réunion entre les réunions du conseil municipal, mal passé, n'a pas trop entendu parler. Donc, on a bien voir de ces 4 que, s'il revient encore, non? Allez, nous les parties, hein, notre affaire encore, rappelle à Zot, à certain moment, Gad Bello, elle dit non, lui veut pas que Corsair fusionne avec, Air Austral. Donc, c'est un sens, il avait raison à peu près, hein, Et là, il reparle de ces histoires d'Air France, de Corsair. Alors, s'il voulait fusionner avec, Air Austral, on aurait eu des problèmes quand même, Donc, Air France, n'est pas la question, est-ce que Air France l'est poussé dans les bras de Corsair?
Alors, il dit comme ça, Mana ne peut pas éternellement et financièrement aider financièrement la compagnie Corsair. L'État, il verrait pas d'un mauvais œil la coopération entre Air France et Corsair. Donc, Corsair avait jusque fin février 2023 pour boucher sa restructuration financière. Voilà, la compagnie antillaise a réussi son pari à réunir 30 millions d'euros de ses actionnaires avec la date limite que l'a été imposée par le ministère de l'économie. D'après Tourmag, les anciens actionnaires n'est pas les seuls à consentir un nouvel effort financier. Donc, trois nouveaux actionnaires manifestent Azote pour la compagnie Airbus, la compagnie Airbus au A330neo. Grâce à ce tour de force, on a conclu en temps et en heure. La compagnie espère convaincre l'État d'aller au moins 80% de l'effacement de notre dette qui atteint 250 millions d'euros. Ben, l'État, il s'abaisse un coup de chiffon là-dessus, c'est 250 millions d'euros, il essaye. Donc, le contexte financier tendu va inciter, il incite l'État, il dit que l'État n'a plus de marge de manœuvre vis-à-vis de Bruxelles, parce que s'il donne l'argent, certains Bruxelles va dire, arrête de donner un coup, et il donne 250, il efface la dette 250 tous les ans, il efface la dette, donc, il est quoi arriver. Donc, là, il pousse la compagnie, et dit comme ça, pourquoi pas une fusion avec Air France? Voilà, donc ce serait quand même bien. Et donc Air France qui donnerait à Corsair une part du marché, mais dirait le marché réunionnais des DOM n'est pas rentable pour Air France, il ne rapporte pas assez d'argent. Donc il va aller vers Athènes, vers d'autres destinations, ça gagne plus l'argent, et il va larguer les parties DOM à Corsair. Donc Corsair, on voit bien, on va parler un petit peu. Ça c'est une affaire que les machins. Et puis il dit comme ça, les Caraïbes, tout ça là, il est assez compliqué. Hein, donc et à France apparemment, faudrait que les affaires les plus rentables pour Air France pour que lui continue ici. Donc lui donne un peu. Et Austral et puis Corsair. Qui sait dire pas où maintenant ça va pas fusionner encore un peu là. Donc voilà. Et il est déjà 6h24 sur Télécréole, le temps il passe vite, hein, nous a bien fait toute l'affaire. Donc Jean-Marie Virapoulet qui dénonce l'explosion des dépenses du personnel à Saint-André, du jamais vu. Donc quelques jours après le conseil municipal de Saint-André où il a été présenté les orientations budgétaires de la commune pour 2023, le chef de file de l'opposition saint-andréenne, Jean-Marie Virapoulet, n'est pas franchement emballé par les propositions que l'a été fait. Pire, il estime que la situation financière de la commune n'est pas mieux, contrairement aux propos rassurants de Joël Bédier. Donc, malgré les chiffres annoncés par le maire et ses équipes la semaine dernière, une épargne nette qui passe de 400 000 euros à 2,6 millions d'euros, un ratio de désendettement fixé à 6,95, le tout sans augmentation des impôts, que l'avait dit Joël Bédier. Jean-Marie Virapoulet, les idiots tracassés quant aux finances de la commune. Il prend pour exemple le cas du personnel communal, donc les agents communaux qui a été payé en fin d'année grâce à l'argent de l'assurance incendie du gymnase Michel Debré pour une valeur de 1,1 million d'euros qu'il a fait, il a été financé sur le budget du personnel. Sans cette recette exceptionnelle, tout le personnel communal n'aurait pas été payé. C'est ce qu'il a su dans une vidéo que lui a mettre sur sa page Facebook. Il y a beaucoup d'exemples, il est déjà 6h25 passé, mais on aura l'occasion de reparler de ça là-dessus. Disons, demain on reparlera de ça, parce que ça est assez intéressant là pour la commune Saint-André. Vous connaissez Saint-André, hein, écoute à nous, ce serait bien machin. Et puis, il y a aussi l'INSEE qui parle à nous. L'INSEE, c'est l'INSEE, donc l'INSEE qui parle à nous toujours des affaires, des chiffres et des chiffres et des chiffres, n'a rien à voir avec la réalité ici à La Réunion. Donc il n'est pas allé dans un bureau à Paris, il n'est pas allé décider. Et après voilà, allez, nous les partis à Gramoun, nous sommes bien reçus Gramoun, parce que Gramoun est loin, je dis, parti bas de carré dans le fond là-bas, dans le fond la page là-bas. Ben vraiment, franchement, Gramoun, on est loin là, on fait retard à moi un petit peu là. Gramoun l'a dit quoi aujourd'hui? Gramoun l'a dit à nous que si on avance pas vite, genre, je vais dépasser l'heure comme qu'il faut. Hein. Alors, Gramoun a dit, arrête ton larme, puis ça le rhum. Ça, c'est quasiment Gramoun. Vous voyez, quand le monde, il pleure, il finit de boire, il pleure. Ouais, mon enfant quitte à moi, mon femme quitte à moi. Ouais, moi, il est malheureux, des trucs comme ça. Des fois, sous le rhum, on dit ça, et Gramoun t'a dit, arrête, te plaît, avec, puis ça le rhum. Alors, nous allons aller avec la météo, avec Nena, un beau temps que l'est prévu ici à La Réunion. Et puis, comme d'habitude, Nena, un beau temps, Nena aussi des nuages dans les hauts. Et puis du côté de Mayotte, pareil, le temps est un peu maf, peut-être que la pluie est prévue, vu qu'il y a apparemment un petit mini dépression qu'on est en train de faire dans le bassin océan Indien. Et puis du côté de Maurice, il y en a du beau temps. Voilà ce que La Réunion a fini, merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, bosser la panier à trouver.